passion, par exemple. Je vais prendre mon tasse pour des chocs, là. Et t'as mis du café dedans, quoi. Bizarre de me voir avec mes lèvres, bah de base du coup. C'était juste pour vous prévenir puisque j'ai vu les réactions sur TikTok des gens extrêmement investis sur mon physique et mes lèvres. Oui, je compte, en gros j'ai vraiment tout retiré parce que déjà c'était injecté de façon très vulgaire et too much, et je m'en suis rendu compte, et surtout que ça avait migré. En fait, quand ça migre, l'acide, au lieu de venir pulper donc ta lèvre à toi, ça vient pulper tout le dessus. Donc là, vous voyez quand je fais ça, et bien, c'est le produit hyaluronidase que j'ai réinjecté aujourd'hui qui vient. Mais en fait, là, c'était de l'acide. Donc c'était comme ça tout le temps. Là, le hyaluronidase, ça se dissout. C'est le but, en fait. Ça dissout tout ça. Donc là, c'est gonflé parce que c'est une piqûre, mais ça part. Quand vous faites de l'acide normal, normalement non. Mais en tout cas, moi, ça avait vraiment migré partout. Donc je vais retirer et je compte réinjecter. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. C'est posé, c'est acté, c'est dit. Tout simplement parce que, je sais pas si vous allez voir, mais en fait quand je parle, j'ai une déviation. Ma lèvre, elle va ici. Donc j'aimerais, donc c'est pas du tout à cause de l'acide que j'ai tout retiré, c'est vraiment à cause de ma mâchoire. Donc j'aimerais injecter un peu plus ici pour que ce soit équilibré. Et injecter vraiment à peine ici, de manière à créer un tout petit peu plus de volume. Voilà, de façon très 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 naturelle. Vraiment, on va même pas, on a vu avec le médecin, on va même pas injecter 1 ml. C'est déjà beaucoup. 1 ml, c'est une seringue classique que normalement tout le monde fait. Nous, on va même pas mettre 1 ml. Et surtout, on va pas du tout piquer comme j'ai pu piquer avant. Donc je vais faire quelque chose de très 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 naturel. Et voilà. En revanche, je suis beaucoup plus stressée par rapport à Stitch. D'ailleurs, faut que je vous demande. Stitch avait son détartrage aujourd'hui. Et du coup, la clinique m'appelle pour me dire tout s'est bien passé, l'anesthésie s'est bien passée, il s'est bien réveillé, etc., etc. Et je lui dis, bah du coup, est-ce que je peux venir le chercher dans l'heure qui suit, le temps que vous surveillez son réveil. Et en fait, ils m'ont demandé de venir plus tard parce que pour parler au médecin. Donc je sais pas trop. J'espère que c'est rien de grave. Je suis un peu stressée, je vous cache pas, mais j'espère que c'est rien de grave. On va voir. Mais en tout cas, il s'est réveillé, c'est le principal, mais j'espère qu'il n'y a rien de grave à ça, quoi.